va démarrer avec une information qui a eu lieu aujourd'hui à Paris, à la Place des Nations. Il y a eu un rassemblement du mouvement kabyle. Et lors de ce rassemblement, le conseiller du président Farhat Mehni, président de la NAVAD, le gouvernement provisoire de Kabylie en exil en France, a lancé un véritable défi au pouvoir algérien. On rappelle que M. Axel Ben Abbassi fait l'objet d'un mandat d'arrêt international lancé, d'une notice rouge lancée par le pouvoir algérien il y a quelques mois. Sur cette notice figurait en première place le leader du mouvement kabyle, M. Farhat Mehni. En deuxième position, il y avait Emir Dezed, qui aujourd'hui, son extradition a été refusée par la justice française. En troisième position, l'ancien officier des services de renseignement algériens, aujourd'hui en exil, lui aussi en France, Hicham Aboud. Et en quatrième position venait justement M. Axel Ben Abbassi. Et aujourd'hui, Axel Ben Abbassi, au cours d'un rassemblement kabyle à la Place des Nations à Paris, a lancé un véritable défi au pouvoir algérien, puisqu'il a offert de se rendre aux autorités algériennes, mais à condition que celles-ci s'engagent à libérer 50 kabyles, 25 qui seraient choisis par le conseiller du président kabyle et 25 qui seraient choisis par le pouvoir algérien. Mais à tout ceci, M. Axel Ben Abbassi, dans son intervention publique, a exigé que cette opération, cette reddition, se fasse sous les auspices et le contrôle d'une ONG internationale crédible. Nous voyons cette intervention de M. Axel Ben Abbassi. Azmir ou Abou Nzer, je m'adresse au pouvoir algérien. Émir, est-ce que tu peux faire ton son à l'ongle et que je n'ai pas de l'histoire? Je vais vous faciliter la tâche. Libérer 50 prisonniers, tu as dit, je suis prêt à venir. Je suis prêt à mourir. Libérer 50 prisonniers, tu as dit, À deux conditions. La première, décharge de choisir les 25 ans du prisonnier kabyle. Et vous avez le choix sur les 25 noms, mais il faut que ce soit du kabyle, bien sûr, on parle du prisonnier kabyle. Et la deuxième, il faut une ONG qui va garantir. Comme quoi vous êtes différent, est-ce qu'il y a au service de mon intérêt? C'est les deux seules conditions que je vous mets. Sinon, je suis prêt. Si je libère les négociants prisonniers qui habitent, je suis prêt à ouvrir pour les rapports, je suis là. Pardon, excusez-nous pour cette petite erreur technique. Donc, nous avons eu ce défi de M. Axel Ben Abbassi et on verra comment les autorités algériennes répondront à ce défi.